Bonjour à tous, c'est Blueshart. Nous sommes donc de retour sur Assassin's Creed Origins. Alors on est parti pour aller tuer Medunamun, qui est donc un oracle si j'ai pas de bêtises. Donc on est de nuit, je me dis que c'est peut-être pas plus mal en fait. Ouh, petit lag. Le saute. Attends, on passe par là même. On va essayer de sauter le muret. Allez, on va se faire. Non, c'était ça que je voulais faire. Ok, on a Dort ici. Donc c'est le prochain objectif. Est-ce que je vais pouvoir passer par là? J'imagine que non. On va essayer. Elle est où l'entrée? Il y a un chemin par là? Aïe. Non, j'ai pas pris. Attends, peut-être par ici. Mais je suis vraiment pas sûr de moi là. Ah si. Mais tu dors pas cette heure-ci toi? Il est pas interdit cet endroit? Ok, c'est interdit. Bon, alors on va passer par où? J'allais dire mon petit galet, à force d'avoir joué à Kingdom Come. Allez, merci. Alors, on va passer par où? Notre cible elle est là. Est-ce que je peux monter? Ouais, je pense que je peux monter par cette tour. Oh, il est interdit de venir ici. Oui, oui, bon, je sais, d'accord, mais je peux quand même monter. Ok, alors. Pas de garde à l'horizon. C'est cool. Il est en face. Ok, munitions complet. Alors d'ici, je pense qu'on pourra avoir quelques personnes, voilà. Ça me le marque pas, lui, pourquoi? Bim. Idée, cher Stark. Ok. Merde. Reviens là. Ils arrivent par où? Ah oui, c'est vrai que je lance. J'aurais dû profiter de tes talents et devenir eunuque. Le nerf est touché. Occupe-toi de lui. Et bon, ben voilà, c'était simple. Vraiment, je suis un peu déçu par les idées charmantes. Mon capuchon. Je suis un peu déçu par, par les combats. Bon, après, c'est pas dramatique. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus costaud. Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Des vertueux, hein? La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa. Mais on a un fils, enfin Bayek. Bayek il a un fils. J'ai pas suivi.
je l'ai pas intégré sur le début de l'histoire. Oh, un peu, hein. Oh, pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Ah, d'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Qui est la mère? Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Et... Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah, vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires 16. Et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on okay, va chasser? Je pense avoir quelques flashbacks. L'oracle a besoin d'une peau de bouc d'un mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay. Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Il court vite, le petit. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grotte aux hyènes, alors? Tais-toi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Prenez pas loin. Pas après n'importe quel mal. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Il est où? C'est nous. Allez, viens me voir. Pourquoi tu appelles c'est nous? Shenzira m'a dit que je devrais voler ses plumes. Comme ça, je pourrais aller au champ de roseaux quand je passerai devant Anubis. Donc, est-ce que... Anubis, voici ton cœur est plus lourd qu'une plume. Tu n'as pas le droit de fausser la balance. Il est où? C'est lequel? C'est lui, d'accord. On n'a pas assez de portée. Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière 30 de... 30 mètres, juste. C'est suffisant. J'aimerais pouvoir tirer 100 flèches avec cet arc. Papo, il est merde. En train de s'enfuir. Oh, il y en a un qui a... Patience, mon fils. On va la voir. Ah, c'est mon moment préféré. Laisse-toi. Ils vont nous voir. Si ok, on reste en par ici. Le dieu qu'on ne voit pas. Oui, papo. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Touché. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Nickel, c'est cool la chasse. Allons chercher ces trous. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Ah, on a pas de monture. Putain, 800 mètres à en courant. À condition que ta flèche soit comme c'est. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux. Mais parfois c'est dur. Pour voir, il arrive à monter? Attends. Ah ouais, ça va, il a s'agit le petit. Par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderais. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te le dirai quand on arrivera. J'aime beaucoup la tournure que prend l'histoire. Enfin, ce passage-là.
ces petits flashbacks là qui posent un peu les jalons de... du personnage. Quel mot il disait ton père déjà ? Saute. Saute. Oh, je l'ai trouvé, saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Ah, tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi. C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papa, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemo, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Mais pourquoi tu sautes pas? C'est le moment, là, franchement. Medjay Bayek. Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah ! Affronter les soldats. Ok. Viens. Tu t'es pris un coup sur la tête ? Lâche ça. Je vais t'étriper. Aïe, ça m'a éclaté. Ah mais on peut pas le gagner, d'accord. Ok. Je comprenais pas pour ma flèche m'avait fait, avait fait si peu de dégâts. Je l'avais mis en pleine tête et... on peut pas le gagner, c'était scripté. Ah et c'est donc pour ça qu'on se retrouve... La cinématique de début me revient. Ah voilà, on se retrouve dans le temple. Au moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, Seigneur. On est resté dans l'ombre. C'est toujours le même pattern d'histoire, quand même. Dans tous les Assassin's Creed. Il y a un grand... Merci d'avoir un faux grand chef à nous, Medjay. Qui est là pour mettre en exécution que nous accédions à la crypte. En exécution les plans du grand chef invisible qu'on découvre à la fin. Et qui est sur le terrain, celui qu'on affronte tout le long avant de comprendre que c'est juste le second. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis. Silence. Ça va être sa femme, tu vois. On peut rien faire à pas marcher, j'ai essayé. Assez traîné, viens. Ouais, donc c'est ça, c'est le lieu où on doit s'échapper. Veillez à ce que personne n'entre. On doit y rester longtemps parce que. On a les cheveux au bout. Tu es blessé! Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça! Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps! L'enfant est effrayé. Tout va bien. Papa, il faut que tu leur dises pour la crypte! Il faut leur dire comment on utilise ça. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts, bête. Parle à ton fils.
Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Papo. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Il arrive un peu tôt, les sous-titres. Non ? Papo, je peux te l'apporter. Non ! Kemo, non ! Ils vont nous faire du mal ! Kemo, il faut... Kemo ! Quelle perte de temps stupide ! Non, Kemo, Kemo ! Non, viens, viens, viens ! Parle ! Non, je ne sais rien ! Nous devons partir ! Je vais arracher le cœur de ce garçon ! Non, attends, attends, attends ! Il ne connaîtra jamais l'autre monde ! Non, 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 je veux parler ! Je veux... Non, il veut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est la folie! Le feu. Ah, et donc on arrive à la cinématique du début. Que c'est ta réponse! Non, on le tue. Kemo! 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 Oh, c'est gore. C'est gore. Ah, silence. On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne. Bayek de nulle part. Misérable père de personne! Et là, tu meurs au nom de personne! Bon. Puisse le cachet t'accueillir! Le seigneur de la droite t'attend! On a passé un cap à niveau violence dans Assassin's Creed. Là. On rappelait pas que ce soit si gore les autres. C'est dans quoi? C'est un irréversible, la première fois que j'ai vu un meurtre comme ça. Je sais pas si vous avez vu ce film. Faut être un peu accroché quand même. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi, le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Ok. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans l'histoire et on quitte le tuto là. Attendez, mince. Je voulais voir la semaine de la cinématique. Un point d'aptitude. Nouvelle quête, commande ta compagne. Donc on va l'activer, on va aller prendre un nouveau point d'aptitude. Alors cible. J'imagine qu'il n'y a pas que ces. Il ne reste pas que trois. Le serpent, le vautour et le bélier, ok. Alors, aptitude. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'était quoi qui m'intéressait? Ah, c'était ça qui m'intéressait, ouais, donc on va partir là-dessus. Attends, je regarde s'il n'y a pas. Attaque poussée, maintenez R après une attaque légère pour effectuer un combo d'attaque poussée. Ouh, ça peut être sympa ça. Mais je peux aller le chercher. Et ça? Ça c'est pour monter l'XP.
peut-être prendre ce qui monte l'XP. À l'issue d'une attaque de surpuissance, pardon, je devrais vous le lire. À l'issue d'une attaque de surpuissance, c'est-à-dire les immenses coups là à la fin, il est possible d'enchaîner avec un combo d'attaque légère. Pouh, ça c'est puissant aussi. L'arc, vous pouvez vous équiper. Ah, d'un deuxième arc. Ouais, non, je vais prendre celui-là. Ouais, parce que ça va être utile ça. Du coup, dans équipement, voilà. On va pouvoir prendre plus de flèches. 5 flèches, voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans les équipements? C'est tout, je pense. Fabrication. Il me faut des pots pour avoir un gant de maintien. Augmente les dégâts de l'arc, augmente l'emport maximum de flèches. Pardon. Je peux pas choisir ce que je veux fabriquer. Ah, du coup, on a la relique, d'accord. Un Sinvé Jai. Y a pas un menu carte et cible. Je croyais qu'il y avait un menu de fabrication. Mais non. Bon, très bien. On peut s'équiper d'un second arc. Ok, donc on choisit l'arc ou les minces. L'arc ou les flèches, ok. 3 sur 4, ouais, par contre il va falloir chasser. Parce que là, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir plus de flèches? Du bois. C'est nous. Ça se récolte comment le bois? Où est-ce que je peux choper du bois? Ça c'est quoi? Du bronze. Cuir souple. Là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. Cuir souple. Cuir souple. Où est-ce que je récolte du bois? C'est pas écrit? Ah, mais ça se récolte pas, à mon avis, ça se récupère dans les coffres ou truc du genre. Et je suis con, je suis descendu, c'était là. Dans les Epheza. Je retoucherai au réglage, je pense que c'est. C'est mes réglages en. Mince, il est là-haut, ce con. C'est mes réglages d'enregistrement qui font que ça lag. Bon, il est où? Ah, il est là. T'es prêt à partir? Pardon. Le voyage sera long. Oui, sauf qu'on va s'arrêter ici avant de poursuivre. Parce que bon, là on va partir apparemment sur un long voyage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play.